Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Palworld. Donc dans cette vidéo, je serai tout seul pour la première fois de la série. J'ai voulu lancer ce record un peu tout seul pour remettre, on va dire, les barres sur les points sur les T. Enfin, vous avez compris, j'ai dit l'inverse exprès. Sur la série, en gros, nous, là, comme vous pouvez le voir, on a avancé un petit peu à droite, à gauche. Vous pouvez le voir que niveau level, on a aussi pas mal avancé. Donc, je vais vous montrer un peu toutes les fonctionnalités qu'on a mis en place, toutes les avancées qu'on a mis en place à plusieurs. À savoir que on a commencé à découvrir quelque chose d'assez important et intéressant que je vais vous montrer juste après. Tac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Alors attendez. Voilà, donc comme on peut voir, de toute façon, on se tape toujours un raid. Et ce qui me casse les couilles, c'est qu'on va se taper un raid avec des putains de pales de feu. Hop. Il a pas pris sa balle là? Ah ouais. Ah, c'est ce qu'il lance là, ça m'énerve parce que ça fout le feu à chaque fois. Il a même pas pris ça. Ah oui, vas-y mon grand. Vas-y mon grand. T'as level 3 mais ça va le faire. Voilà, vous voyez? Ça là. Le feu là. Faut vite que je casse parce qu'autrement. Ça va mettre le feu en fait à toute la barricade. Donc ça nous casse les couilles en ce moment pour ça. Donc là, hop, on va en remettre une rapidement. Hein, c'est pas le problème. Hein. Comme vous avez pu le voir avec tout le bois, c'est pas notre souci. Le vrai souci, c'est que, hop, donc là, comme vous pouvez le voir, on a cette demoiselle-là, on va dire, ou ce monsieur. Ouais, ce monsieur, pardon, qui nous fait des tissus de qualité inhabituelle. En fait, plus on avance dans le jeu, plus de toute façon on découvre de nouvelles choses intéressantes. Et donc, ça, à savoir qu'on a du rangement un peu foutu n'importe comment. Donc, tout ça, vous inquiétez pas. Ça va être modifié, on va avoir un meilleur rangement parce que j'avoue que même moi, ce rangement, il me fait mal au crâne. Et je sais que ça faisait mal aussi au crâne à ma fille. Donc, à savoir que, regardez, on a farmé, comme je vous avais dit, on a farmé les gâteaux. Donc vous avez pu voir qu'il y en a encore dans la marmite là à faire. Il y en a 9. Et là, il en reste 12. Donc en fait, ce que nous on s'amuse à faire, enfin ce qu'on s'amusait. On l'a fait pendant 2 bonnes heures avec le frérot Fafi. On s'amusait à faire éclore des pales. Genre par exemple, bah, vous voyez, on a 2 Brazwall. Avant, on n'en avait pas. Là, par exemple, j'ai un Rendrix. Donc, il est ultra stylé. De toute façon, le but, c'est de les avoir tous. Hein. Attraper les tous, version pale. Et du coup, après, par contre, voilà, ça c'est le level 9. Attendez, parce que c'est pas le mien, ça, le level 9. Alors, level 27, je sais que ça va être la mienne. Voilà. Au pire des cas, trié par... par type. Donc, du coup, on avait pas mal de Vixi, on avait des Shiny. Bon, le Vixi, maintenant, ça ne nous sert plus à grand-chose, vu qu'on est surpassé sur des sphères plus grosses. Et je pense qu'il y a des pales qui doivent drop des sphères plus hautes. Enfin, j'espère... Parce que pour l'instant, ça a l'air très complet. Donc, ça me paraîtrait normal. Le problème de mon deck actuel, j'ai beaucoup, beaucoup de ténèbres. Mais genre vraiment beaucoup. Donc,
Ce qu'il va falloir faire, c'est varier et c'est trouver quelque chose de mieux. Mais après, on avait prévu de faire des accouplements qui modifient tout ça, on va dire. Là, ce que je cherche, c'est lui, du coup, mais voilà, je sais pas contre lequel me le mettre, quoi. Parce que ils sont énervés, hein. Même lui, là, il est pas encore level à fond, il est énervé. Elle, je vais la garder parce que c'est un volant. Lui, il est énervé aussi. Enfin, il a la peau dure, il a des trucs. Un tueur de dragon qui est mort. Celui-là, il est pas dégueu. Si vous voyez, celui-là, pour moi, en termes de qualité, il est pas mauvais. Mais bon, est-ce qu'il va réussir à tenir le coup? C'est à voir. Loop Moon, il est insane. Après, c'est le moins puissant, on va dire, en termes de dégâts de. Ah non, peut-être lui, ouais, lui qui est moins puissant en termes de dégâts de zone. Après, ce qu'on avait prévu du coup, c'était de faire aussi le côté. Lui, de toute façon, lui, je vais le garder, c'est sûr. Après, c'est à savoir contre qui je veux le faire. Donc, au pire des cas, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire et ce qu'on va être sûr de faire, c'est qu'on va. Là, je vais faire le boss. Le premier boss, au moins pour finir le tuto. Et pourquoi pas essayer de me faire lui dans le futur. Parce qu'on est quand même level 26. Donc je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de se le faire. Et en plus, si ça peut me faire l'avoir. Oui, parce qu'à savoir qu'on en a. On en a, hein, ça. Ce que j'ai pas été vous montrer. Je vais y aller tout de suite. Mais en gros, on a un petit. Comme je vous dis, on faisait des accouplements, donc on a eu pas mal de pales assez insane. Et on comptait encore en faire parce que du coup, j'avais dit une bêtise. Là, vous voyez, là et là. Ça, c'est une 4 œufs, 3 œufs, pardon, qui sont insane. Il y a un Mamores dedans, il y a un pal électrique. Bah, le premier boss qu'on va l'affronter tout à l'heure, on va l'éclore là. Donc, ce qui est plutôt pas mal du coup. Et on va varier notre deck avec ça. Oui, donc nous, comme je disais, nous on faisait des accouplements. Au début, je vous avais menti, je suis désolé. Enfin, je vous ai pas menti, c'est une erreur de ma part. J'en suis navré et désolé. J'avais dit qu'on pouvait pas accoupler les pales de plusieurs espèces. C'est faux. En fait, il y a des combinaisons particulières. Voilà. Donc, je tiens à m'excuser par rapport à ça. À savoir que les combinaisons particulières sont assez simples à trouver en soi, hein. Mais un peu parfois, c'est un peu du n'importe quoi en termes de combinaison. C'est un peu aux plantes, non, plante feu, ils peuvent faire un truc insane alors que c'est pas non plus le but. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à affronter le boss tout de suite. Donc j'aurais dû attendre les potes, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à se capter en ce moment avec tout ce qui est la corporation, les trucs dans le genre. Aussi comme vous avez pu le voir sur la chaîne, ça faisait quelques jours qu'il n'y avait pas eu de vidéo de Palworld. Donc c'est pas parce qu'on avait arrêté, c'est tout simplement parce que. Tac, confirmé. C'est tout simplement parce que on avait, comme je vous dis précédemment, on a beaucoup de projets sur Palworld. Sur Star Citizen. Ok, donc on affronte Zoé et Griffbolt. Le Griffbolt. Donc là on est haut level hein, pour le. On va le démonter hein, quasiment. C'est pour ça que j'ai mis lui là pour qu'il XP. Hein. Il XP pas mal. Il y en a vraiment, hein. Ce qu'on va faire, c'est que ça va me casser les couilles.
Tac. Merde, j'ai vu. J'étais vers lui. Donc il va être assez simple. Ça se sent. Oh merde, bah bref, ouais, mais ça c'est en train de se faire lever en là. Donc je sais qu'aussi, là du coup, je suis au courant. Il y a une strat un peu glitch pour essayer de table la Zoé sur Chris Bolt. Donc wow. Tac. Mais moi je le ferai pas. Personnellement, je suis pas fan d'utiliser ce use bug. Surtout personnellement, on va l'avoir le Grisbold derrière, donc. Le seul truc qui change du Grisbold, c'est qu'il y a L dessus, quoi. Allez? Paf! Donc je viens de passer en plus mon level. Entends-moi ta grande gueule, hein? 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 Attends, mais par contre, elle, on l'a pas tué. Donc bon, du coup, on a le téléporteur. Et on a fini le premier boss, en tout cas, du jeu. Enfin, du jeu, oui. Donc, tac. On va aller prendre le téléporteur. Donc c'est pas dégueu. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est faire un petit donjon. Voilà. On n'en a jamais assez. Attendez, quoique, je viens de passer mon level. Je viens de passer mon level. Et en plus. Bon, ça veut dire que je pourrais débloquer les lance-roquettes, les trucs dans le genre. Donc voilà. On va avoir des trucs assez armés en métal. Hop, réchauffant. Donc c'est parfait. Hop. Bon Kiri, j'ai bon Kiri, donc je prends la selle. Et du coup, chaîne de production de sphère. Donc ça demande pas mal de métal, des trucs dans le genre. Par contre, on a les Anibus, donc ça va. La vraie question, c'est si on met ça en place. Je sais pas comment ça fonctionne. Donc est-ce que je fais un essai est-ce qu'on fait un essai dans cet épisode? On farm pour faire ça. Donc là, je fais entre un level 13. On va directement rush au boss. Mais j'ai en train de me dire, est-ce que c'est genre il faut mettre, est-ce que ça prend, ouais, ça va prendre dans les coffres et ça va les faire une par une assez rapidement vu que c'est une production en chaîne. Mais ce qu'on va faire, c'est que pour essayer dans l'épisode, j'ai bien essayé, hein, parce que même comme je vous ai dit, la base de base, celle qu'on a là, elle ne va pas rester là en fait. On va faire un autre endroit où on aura beaucoup plus de place. Parce que là, c'est vrai qu'on est limité, on a la montagne qui nous bouffe un peu, on a la rivière qui nous bouffe un peu, donc c'est un peu limité. Donc c'est pour ça qu'on va faire le changement. Donc ce qui est prévu, c'est que je crois qu'on attend d'avoir la troisième pal box pour faire. Oh putain, c'est un petit singe. Oh. Ils auraient pu faire un effort. Bon, c'est pas grave. Pour faire la troisième caisse, du coup. Hop. Allez, noob. Tac. Bon, bah, il a one shot. Après, est-ce que ce serait pas une mauvaise idée de l'avoir, lui? Quelle idée! C'est quasiment fait one shot, bref. Parce que moi j'ai un petit truc aussi, j'aimerais bien avoir tous les pales en. Oh, nice! J'aimerais bien avoir une partie des pales en. Putain, comment on appelle ça déjà? En boss. Alors, tac. Tac. Alors, hop. On va rentrer à la base.
Et du coup, on va commencer à farmer ensemble. Je vais vous laisser le temps de farming en vidéo, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, on le voit pas, mais on farm énormément. Que ça soit nous ou les pales ou autres, on farm vraiment comme des brutes. Tac. Merde, c'est pas là. Hop. Bah, les pales, c'est. Allez. Voilà. Je suis assez blindé. Tac, c'est pas grave. Donc, je vais mettre ça là. Donc, hop. Là-dedans. Du coup, il va s'occuper encore de ça. Ah, super. Voilà. Hop. Donc là, on a encore des caisses, des trucs anciens, donc c'est parfait. À savoir que mon Loop Moon, oui, c'est vrai, je l'avais pas dit. Oh, désolé. Mon Loop Moon est amélioré, en fait. Je sais pas. Hop, j'ai dû bouffer. Mon Loop Moon est amélioré, comme vous pouvez le voir. Il a une étoile. Parce que j'ai tam pas mal de Loop Moon. Après, donc, du coup, aussi, chez nous, dans l'autre base, j'ai une petite idée dans la tête. Et tout le monde sera d'accord avec moi, mais en gros, on va faire des ranchs, une farm à ranch sur 10 étages. 10 étages, parce que c'est ce qui va nous permettre d'améliorer nos pales très fortement. Du coup, c'est ce qui va se passer. Donc là, 19 minutes, et là, dans 4 minutes. Donc, on va farmer. En attendant, on a un anébus. Donc, je vais prendre l'anébus pour farmer ça. Tac, 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 tac. Ce que je vais faire, c'est que du coup, lui, il va rester là. Et du coup, j'ai vu que lui, il était pas folichon. Donc, ça sera lui qui prendra la place de celui-là. Au moins, comme ça, c'est réglé. C'est acté. Je vais mettre l'anibus à faire des clous. Tac. Donc, on va en faire une quarantaine, même si on va en avoir plus. Hop. Allez, là, non, c'est pas. Non, dégage-toi. Voilà. Oh là là, oh là 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 là, gros gros. L'anibus, c'est insane, les amis. Hein. À la base, il n'y a rien de mieux. Hein. Nous, ça, moi, je mets 10 ans à le faire. Hein. Je mets 10 ans à le faire. Hein. Oh, la vitesse de fou furieux. C'est juste impossible. Du coup, oui, parce qu'il y a ça aussi qu'il va falloir faire. Donc ça, à la limite, les organes électriques, c'est facile à farm. Oh, mais on a déjà tout sauf les clous. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là-bas. Alors, attends, parce que... C'est dans quel sens, ça? Moi, j'aimerais bien que ça arrive ici, justement. Hop. Regarde-moi, frérot. Attends, je vais pas mettre dedans. Donc je sais qu'il faut une centrale, tout ça, mais je crois qu'il me faut une centrale. Hein, mais de toute façon, tout ça, c'est pour tester. Hein. Admettons que je vais faire celle-là. Le max, lancer la prod. Non alimenté. C'est bien ce qui me semblait. Donc là, en gros, du coup, il nous faut 4 organes électriques. Anibus, reviens là, frère. Moi, électrique, j'en ai pas beaucoup. Mais du coup, on va aller déjà. J'ai une petite idée. Je pense qu'on va aller fumer pour la énième fois Univolt. Au moins, on aura des organes électriques. On pourra mettre directement le générateur à côté d'ailleurs. Du coup, hop, Univolt, il est par là. Reste là, toi. Oui, donc je prends. Je tue pas dans. Enfin, je les tue même pas, c'est on les met KO. C'est juste pour avoir les organes de feu, les trucs dans le genre. Donc là, il va se trouver devant moi. Je sais pas comment ça. Vu que c'est un boss, en vrai, ça devrait un drop un peu plus, non? J'espère. Sincèrement. Hop. On prend l'instam. Alors, le planeur, vous avez vu, c'est chiant pour monter. Parce
Parce que du coup, ça vous baisse de la stam. Alors que vous, pour monter, alors que vous n'avez pas demandé à utiliser le. Oh merde, je vais mettre 26. Tac. Ouais, c'est le problème, voilà, par exemple, là j'ai pas de. J'ai pas de électrique. D'eau. De type eau. Et c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à varier. Parce que c'est assez. Assez chiant. Parce que normalement, les niveaux, ils tombent en très peu de temps. Ça fait mal par là où ça passe, comme on dit dans le jargon. Façon, le but, c'est de le buter. Hein. Ou alors, si je le capture... Ouais, c'est vraiment pour... Ah, quoique pour la salle d'enregistrement, parce que il me semble qu'on capte, malgré si on capture, on gagne quand même le truc. Donc attends. Hop, il a failli claquer. Voilà. Ah, par contre, lui, il est. Il se fait. Il prend une châtaigne, il prend une châtaigne, hein. Ok, là il a cramé. Ah d'accord. Super les bugs, hein. Merde! En vrai, si je peux l'avoir. Voilà, parfait. Du coup, on va remonter là-haut. En plus, ça fait un bonus XP, c'est pour ça que je l'ai pris. Ah, mais ça en donne qu'une! Oh non! Ah, mais par contre, ça donne 3, ok. Est-ce que on va dans le Paldex électrique, par exemple? Toi, mon frérot, il est où ton habitat? D'accord. Eh ben, on va aller chercher directement celui-là. Hein. Tornade de sable a pris. Putain, il est déjà monté level 21, hein, Nibus. J'ai sorti 3 fois. Hein. Voilà. Allez, tac. J'ai pas mis le grappin. Ah, si. Et du coup, les bleus, elles servent quasiment plus à rien. C'est. Même l'arbalète, là, en vrai, regardez, je vais juste tester sur lui, là. Mais il me semble que c'est un level 4. Même si je tire dans le cul, bon, ça va en vrai. Mais du coup, faut. Quand vous voyez les petits trucs comme ça, moi je vous conseille. Voilà. Bon, là, vous voyez, il a claqué, mais. Bon, lui aussi, il a claqué, mais. Normalement, ça se passe pas comme ça. En fait, de les capturer, je vais quand même vous montrer. Voilà. Bon, là, vu qu'on était loin. Hop. Par contre, pourquoi ça m'a mis. J'ai une espèce de maintenant, genre un truc asiatique en dessous là. Je suis désolé, mais moi je suis français. Il va falloir remettre ça en français. Merde. Ah, coup dur. Ouais, donc ouais, je vous disais, tous les trucs comme ça, pour, enfin, même quand vous partez, n'hésitez pas à les capturer, parce que, en fait, ça donne vraiment de... Ah. J'essaie de viser, là, par exemple, son cul. Oh non, il sert... Vas-y, t'es inutile, toi, là-bas. Du coup, je vais spawn à l'église, parce que, normalement, l'autre, il doit spawn dans les environs. Et vu qu'on lui fout des sphères électriques.
Aïe. Neuf. Normalement, j'ai pas rêvé, hein, il spawn dans cette zone. C'est le plus petit normalement. Ouais, on est dans la zone. On n'a pas assez buté de. Ouais, mais en fait, c'est affûtant. Pourquoi il y a eu des hauts là? Mais non, mais c'est abusé, allez les gars! J'ai que des trucs de merde là! Putain, il a de la chatte. J'ai envie de les fumer. Il m'en faut qu'un seul! Ils jouent avec mes bourses, hein. C'est obvious comment ils jouent avec mes bourses. Allez! Ah là, je commence à sortir, par contre. Oh. Oh, ferme ta chatte. Si l'autre il me cherche, je te jure, je le canne aussi. Hein. Allez, un petit électrique là. Oh, là-bas, on a vu la queue dépasser. Hop là. Oh là. Ah, il vient de se faire défoncer par les Iron Wolf. Du coup, faut que je retourne au téléporteur. Mais avant ça. Hop là. Ton pote, il est mort. Tu veux toi aussi mourir? Bon. Si tes désirs sont des ordres, mon ami. Tac. Ah, oh, bah, il y a le téléporteur là. Le planeur, il est juste bien pour ça. Hein. Vraiment, je vous le jure, le planeur, il n'y a rien de bien. Sauf pour ce que je viens de faire. Voilà. D'ailleurs, je vais faire des flèches aussi. Mais d'abord, le réacteur. Parce que j'ai vraiment envie de tester le truc à pales. Attends. J'entends un shiny là. Il est par là-bas. Oh, mais c'est encore un lumball. Je vais buter, nique sa mère. Ou alors, je vais y aller à la hache. À la pioche, pardon. Voilà. Ouais, je vais le prendre. Juste parce que c'est un shiny, même si ça me casse les couilles au bout d'un moment. Les shiny comme ça, on en a déjà des dizaines, donc. Mais c'est la. Au moins, en vrai, c'est mon premier vrai shiny que je tame tout seul, je crois. Hein. Mon premier ou mon deuxième? Je sais plus. Je saurais pas vous dire. Mais c'est aussi là l'inconvénient de filmer. Filmer hors. Enfin, de farmer hors vidéo. Parce qu'il y a des trucs que vous voyez pas. On a tam pas mal de shiny, les trucs dans le genre. C'est un jeu qui nous fait beaucoup kiffer, à savoir. Attendez. Non, c'est pas toi que je veux.
Voilà, ça, déjà 2 minutes, ça passe à 15, avec les deux petits en plus. Mais c'est un jeu qui nous fait beaucoup kiffer, parce qu'en plus, en plus c'est vraiment un truc il est complet de malade. Genre vraiment, bon, le seul gros bémol, c'est que les pales n'ont pas d'évolution. Donc générateur d'énergie, électricité. D'accord, en fait c'est juste un générateur que du coup on est obligé de mettre un pal électrique pour que. Bah attendez. Ça tombe bien. Attends, je vais remettre mon Anibus à sa place. En termes d'électrique, il a 2. 1. Lui, normalement, il est parti. Il est pas parti charger, là? Voilà ce que j'allais dire. Il a 2 en électrique. Donc. Ok, donc là, il y a 1% de batterie. Attends, ouais. Ah ouais, ça peut moins. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Attends, mais. Lui en fait pas l'infini? Ok. Non. Bah c'est nul à chier, attends. J'étais tout content. Mais là, en gros, ça veut dire que t'es en train de me dire que t'es obligé de laisser un. Mon frérot. Ça. En gros, voilà. Ah ouais, mais c'est nul à chier. Enfin, ça. C'est. Ouais, non, c'est rené. Ah ouais, je suis déçu. Ah, je suis déçu à un point, genre. 1 milliard. Pourquoi je suis déçu? Je vais vous expliquer. Donc, en gros, moi, je pensais qu'on faisait ça. Avec de l'électricité, ça faisait le craft automatiquement. On lançait le craft et ça lançait le craft automatiquement. Sauf qu'en fait, c'est ni plus ni moins un atelier à électrique, quoi. Vraiment. C'est ni plus ni moins un atelier électrique. Ce qui est assez. Assez nul, quoi, j'ai envie de vous dire. C'est. En aucun cas, ça change de l'atelier normal. Ah ouais, non. Ouais. Ouais. Un peu gravement, beaucoup, énormément déçu. Parce que du coup, bah lui, ouais, il va charger tout ça, mais. Oh non, bon. Bah. Premier objectif de la vidéo. Fait décevant, très 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 malin, très très décevant. À savoir, oui, j'ai oublié de vous dire, mais la prochaine base, donc la prochaine baraque, j'ai une méga idée et on va la mettre en place. Je sais que Fafil avait une autre idée, mais je mettrais plutôt la mienne en place tout simplement parce que en gros, ça va faire un immeuble assez grand. Une maison assez grande, un peu plus grande que celle-là, en termes de hauteur et en termes de place. Et on pourra tout faire dedans, en fait. On pourra tout mettre dedans, on pourra tout gérer à partir dedans. Donc là, du coup, un Grisbolt, lui, va aller dans mon deck. Lui. On va attendre 1 minute 54 pour le Mamores. Mais du coup, ce qu'on va faire, le deuxième objectif, là, ça va être de se taper contre le Mamores en bas. Se taper, ou même le Tam, hein, à vrai dire. Hop, donc à savoir que là j'ai aucun pal quasiment level max. Et en plus, ce qu'il me faut à la limite, c'est au lieu de mettre un type comme ça, il me faudrait celui-là à la place. Parce que je crois que le Mamores, il aime pas le feu. Hein. Donc on va mettre celui-là. Celui-là, on va le garder là. Hop. Et on va essayer de se le faire.
Ouais, mais du coup, attends, est-ce que j'ai gardé le... pas depuis quand le rec était... Oups. Alors, je sais pas depuis quand le rec était... j'espère que c'est il n'y a pas longtemps. J'espère qu'il n'y a pas longtemps que le rec est sans micro, mais en gros, on est passé au deuxième objectif de la vidéo. Donc les amis, donc ouais, je vous disais, en gros, vous n'avez rien loupé de particulier. Vous avez juste loupé le fait que je me bats contre. Enfin, le bruit était. Le son était coupé que pendant le combat. Donc vous inquiétez pas, il y aura à la limite je mettrai une petite musique et une petite un petit accéléré. Comme ça au moins vous aurez rien loupé. Attends, si je fais ça là. Tac. Donc on a réussi à avoir le Mamores, mais comme je disais, c'est pas lui le boss du quartier. C'est lui le boss du quartier. Donc je me dis qu'avec leur flemme de cuire les aliments. Je suis genre. Oui, je suis ce genre de mec. Hein. Du coup, je me dis peut-être qu'on pourrait arriver à se le faire, celui-là. Donc. Je sais pas, est-ce qu'on tente la... est-ce que c'était... Normalement, l'objectif la vidéo, c'était juste de faire l'autre Mamores. Mais je avoue que me faire celui-là, ça me ferait du bien mentalement. Et vous savez quoi? On n'a qu'une seule vie, au pire des cas, je me barrerai, je me téléporterai. Tac. Il y a moyen de se le faire, il y a moyen, allez. On est level 27, 38, il y a 10 levels qui nous séparent. Ah, j'ai pas eu le temps de... Vu que j'étais en train de... Oh non. C'est ce que je... Wouah! En fait, c'est moi qui va claquer, c'est même pas mon pal. Ah, je fais du 8 derrière. Frère, je fais que du 8! Ouh. Je fais du 24. Je fais du 26 là-bas. Mais dans la trompe, ça marche pas là? Allez, Lunaris! On compte sur toi! Je regardais si j'avais le micro coupé. Non, ça va, j'ai pas le micro coupé, je suis refait. Allez, on va changer un peu. On va mettre celui-là. C'est pour moi ça. T'as pas l'air du 1, ouais. Allez, prends le tarif en termes de... Fais quoi, lui? Non, il est... Attends, on va voir celui-là. En vrai, même si le level 14... Non, le level 14, il va se faire la vue le fiac. Hein. Il est passé? J'avais oublié que lui, c'était juste un pas. Non, mais tu lui fais que du 1, frérot. Vas-y, Loopmoon, attaque. Alors, soit il doit être bug, il doit.
Non, ah là, c'est bon, il a débugué. Ah non, c'est qu'il peut pas me choper, c'est quoi le délire? C'est un type plante en vrai, hein. Et c'est ce que je disais en vrai, on peut s'en... Même si c'est parfois un peu galère, on peut s'en sortir contre des pales non élémentaires. Enfin, non. On va dire qu'ils n'ont pas l'avantage élémentaire, quoi. Parce que si je devrais m'en sortir, normalement, je mets lui. Fais que de me courir après ce bâtard. Ça va être le combat de fin de game. C'était le seul qui nous vraiment nous cassait les couilles. Donc j'espère que Fafi, quand il verra ça, il sera fier de moi. Il sera fier de mon combat contre le casse-couille qui nous a cassé les couilles sur toutes nos games. Et l'autre là-bas avec le feu, Allez, hein, please. Ah, là, déjà, il vient de prendre feu, c'est déjà ça. Parce que là, il va prendre pas mal de dégâts, normalement. Il prend du 22 par tick. J'ai passé toutes mes balles, hein. On va l'avoir, les amis, on va l'avoir. Alors, on va essayer le tam, hein. Bien entendu. Enfin, le tam, le capturer. En fait, ce qui est con chez les boss, c'est que la preuve, regardez. Enfin, s'il y a un développeur qui passe par là, n'hésitez pas. En fait, c'est que les pales adversaires, regarde, ils nous aggro nous. Dans la bouche. Ils nous aggro nous, alors que, honnêtement, ben. Enfin, nous, on fait des dégâts, mais pas. Comparé à nos pales, nous. On fait quasiment aucun dégât, donc en fait ça nous permet de vraiment. Si on gère bien le truc, on peut le tam quoi. On peut soit le défoncer ou soit le tam. Là, vous voyez par exemple, ça c'est pas géré. Voilà. Ta gueule. Allez, on est un peu, presque à la moitié du combat. Attends, mais toi déjà, viens ici, là. Voilà. Donc, à savoir qu'on fait... Je vais attendre qu'il me rattrape. Voilà, ça y est, il a essayé de se retourner contre mon palais. D'ailleurs, il vient de prendre un sale dégât. Par contre, l'effet de feu n'est pas resté très très longtemps. Allez, Lunaris, tu termines ton combat contre l'autre Mamoras. À savoir que j'avais essayé d'entamer un, moi, quand ils étaient en plein fight. Ouh. En plein fight entre deux Mamoras. Et j'avais niqué toutes mes sphères dessus. Donc là, je pense que le. Bah après, là, il n'est pas indiqué comme étant. Pourquoi il est envoyé en haut, ce con? Comme genre étant un boss. Enfin, étant trop level pour moi. Parce que vous savez, normalement. Wouah. Normalement, il y a un petit message. Enfin, une petite tête, genre en haut de l'écran. Et vers ici, là. Pour dire comme quoi, frérot, là, tu t'attaques à du sale. Et là, du coup, il y est pas. Donc, je me dis peut-être que ça veut dire qu'on peut se le faire. Il est solide, n'empêche, hein.
passerai toutes mes balles, frérot, mais tu vas finir par claquer. Je vais libérer le quartier de ta présence. Ça va être mon terre-terre maintenant ici. Ça sera plus le tien, je t'avais dit. Quand on aurait le level, ça serait fini pour toi. Il est un peu bugué, hein. On a eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Hein. On a beaucoup de chance parce que. Attends, pour les équipes qui me suivent, hop. En fait, pour les équipes qui te suivent, faut que tu lui fasses mettre son attaque, tu la dodge après. J'ai fait spread Pavisky, je préfère recharger. Et en plus, mon bouclier se termine, donc. J'avais pas de raison d'esquiver. Nice! Ah là, on y est bientôt, il est en faiblesse là. Il est en faiblesse. Hop là, je peux esquiver parce que j'étais pas en train de recharger. Moi je fais du 26, hein. Donc attends, déjà on va pouvoir mettre les grosses sphères rouges. Vous voyez ce qu'on a craft juste avant derrière? Voilà. Ça servira à ça. Hop. Là, il va bloquer. Allez, on y est bientôt. Ça, pour la fin de l'épisode, ça serait une petite dinguerie. Allez, s'il te plaît. Dépêche-toi, là. Le fight, il est long. J'étais en train de me dire peut-être que je pourrais le tenter là, mais vas-y, ça fait. Non, ça fait peu. Hein. Il y avait l'arbre devant lui. Là, on y est bientôt, là. En vrai, je le laisse encore attaquer quelques coups. Je mets quelques coups dans la caboche. Et on sera plus très loin. Peut-être bon. Parce que de toute façon, lui envoie du. Il lui enlève du 2. Voilà. Donc maintenant, c'est le table. Allez! Et voilà! On a notre Mamoresse en boss. Donc on est des boss. Non mais voilà. Au moins on l'a eu, ça fait zizir. A savoir que là-haut il y a le petit opening qui est prêt. Alors attendez, hop. Donc eux ils sont toujours en train de faire ça. Le Univolt, lui, je vais l'enlever rapidement. Et après, on sera. On va aller faire un petit opening rapidos. Avec donc le même reste de l'un. Donc lui, je vais le retirer. Du coup, c'était logique. Trier par type. Voilà. Hop. On va aller ouvrir. Donc lui, je sais très bien lequel c'est. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un même reste. Et lui, du coup, je l'éclairerai en off. Parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Voilà, on n'est pas loin d'une heure de vidéo. C'est une bonne reprise des vidéos sur Palworld. À savoir que.
C'est un début qui. Enfin, on reprend les vidéos normalement, mais il n'en sonnera pas tous les jours comme ça a pu être pendant un petit moment. Mais en tout cas, les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un petit like, à vous abonner, à me lâcher un petit com si vous avez des idées, des petites propales pour le jeu ou quoi, ou même pour optimiser des trucs, cette merde là-bas. N'hésitez pas à me le dire, voilà, dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Ça fera plaisir en plus de voir que vous pouvez interagir et donner des conseils concernant le jeu. Parce que moi, j'y connais pas grand-chose à part certains trucs comme l'accouplement, les trucs dans le genre. Donc ça fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner surtout les amis. Il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo. Vous êtes 90 personnes, 90% des personnes à regarder ma vidéo à ne pas être abonnées. Donc je vous en supplie s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça me fera extrêmement plaisir. Merci à tous et tchuss.